tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux nouveaux romans asiatiques que j'ai terminés récemment, un roman coréen et un roman japonais, deux genres complètement différents. Le roman coréen a été très difficile psychologiquement et le roman japonais a été au contraire quelque chose de beaucoup plus tranquille qui m'a fait du bien, qui a détendu un peu après le roman coréen dont je vais vous parler juste ensuite. Vous allez comprendre pourquoi. Deux romans que j'ai interceptés avant qu'ils soient renvoyés à l'éditeur, que j'avais envie de lire depuis longtemps. J'en ai du coup profité pour les prendre à la librairie. Voilà. Ce sont ces deux-ci aux éditions Piquier. Si vous êtes fan comme moi de romans asiatiques, vous savez que les éditions Piquier sont les spécialistes de la littérature asiatique en France. C'est dans ces éditions là que vous trouverez énormément de romans japonais, coréens, chinois, vietnamiens et j'en passe. Il y a donc, c'est souvent vers eux que je me y tourne quand je lis mes romans coréens et japonais. Alors, le premier roman, il s'agit des Enfants du silence de Gong Jiang. Alors, ce livre aussi est une histoire vraie, ce qui explique que c'était d'autant plus difficile. Alors, ce livre-ci a été un réel coup de poing dans la société coréenne. Il a fait avancer des choses au niveau de la société. Je vous explique pourquoi. Ce livre parle, il y a d'enfants sourds et qui en fait faisaient partie d'un institut spécialisé dans une ville coréenne. Alors, la ville coréenne dans laquelle ça s'est réellement passé, il me semble que c'était Pohang, qui est situé au sud-est de la Corée, à vérifier, mais il me semble que c'est ce que j'ai lu quand l'autrice a interviewé les personnes qui ont réellement vécu cela. Il me semble que c'est Pohang. Du coup, ces enfants sourds sont abusés physiquement et sexuellement. Voilà, ça pose les bases. Mais bon, c'est une histoire vraie. Et parfois, c'est important, je trouve, d'être confronté à la réalité du monde, même si elle est très difficile et qu'on entend tous les jours des trucs ultra plombants. Et si franchement, chacun d'entre nous ne faisait que regarder les infos, et ben je pense qu'on aurait tous envie de se tirer une balle, n'est-ce pas? Mais bon, donc ça c'est quelque chose de difficile, mais c'est la réalité, faut en être conscient. Du coup, il y a eu ce scandale en Corée du Sud, et l'autrice du coup a rencontré personnellement les personnes impliquées pour écrire ce livre, pour être au plus proche de la réalité, et elle a été malade plusieurs fois lors de l'écriture de ce livre. Tu m'étonnes. Voilà. Donc, on va suivre Ino, qui est un professeur, qui en fait arrive dans une petite ville où il est muté en tant que professeur. Il était, en fait, il avait une entreprise qui a fait faillite, et sa femme a un petit peu fait jouer ses petites relations pour qu'il se retrouve, un poste. Et du coup, il se retrouve dans cette ville très éloignée de Séoul où il laisse sa femme et sa fille. Et il arrive dans cette ville pleine de brouillard, il arrive devant cet institut et là directement il voit une petite fille, sourde du coup, qui mange un biscuit et qui l'amène à l'entrée, enfin qui la guide. Et en fait il va rapidement se rendre compte que cet endroit, il n'y a plus la merde. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Il va directement entendre des histoires. La première histoire qu'il entend, c'est qu'un jeune garçon vient d'être percuté par un train et que c'était le petit frère d'un de ses élèves qui se met à pleurer en plein cours, normal. Il va se rendre compte également que le corps enseignant et le corps professoral, enfin directorial de cet endroit parle à peine la langue des signes. Comment on communique avec des enfants sourds sans langue des signes? Non mais mort de rire. Ça m'a rappelé un drama que j'ai vu récemment qui s'appelle Twinkling Watermelon, où en fait on suit une jeune fille sourde et effectivement son espèce de d'institutrice personnelle à la maison ne fait que lui parler en coréen sans langue des signes, en se disant peut-être elle va se mettre à parler d'un coup, elle va plus être sourde. Mais c'est quoi ces conneries? Franchement j'ai halluciné. Ça m'a du coup énormément rappelé ce drama et la façon dont les coréens ont de mettre les gens de côté, enfin dont le monde entier à de mettre les gens différents de côté comme ça, mais particulièrement en Corée, comme ils aiment pas la différence. Et si vous avez un handicap en Corée, vous êtes directement considéré comme faible ou inintéressant et on vous fout de côté sans aucun problème.
Du coup, c'est cette réalité-ci qui a heurté Ino très rapidement. Le jeune homme de il a environ 30 ans. Il y a des ans, il y apparaît quand il voit ça. Il se rend compte également de l'attitude des profs qui n'en ont rien à cirer de leurs élèves alors que lui est très impliqué et directement il va se mettre à les apprécier. Il va entendre aussi des cris dans les toilettes et en fait il n'est pas... Enfin, il aurait dû un petit peu ouvrir la porte et faire quelque chose, mais à cet instant là, quand il entend ces cris là, une de ses élèves est en train de se faire violer par le proviseur de l'établissement. C'est génial. En fait, cet établissement est tenu par des jumeaux, enfin il y a deux hommes qui sont jumeaux, leur père en était le fondateur et ils se disent être partisans, être gentils, être pour les élèves sourds, les aider et tout, alors qu'il n'y en a qu'un qui parle à peu près la langue des signes, MDR. Et en fait, eux deux plus un autre haut placé dans l'établissement abuse les élèves sexuellement. Il va en être au courant. La fameuse petite fille qui grignotait un gâteau, qui a 14 ans mais qui en paraît bien moins, elle est aussi retardée, mentale, et ben elle aussi se fait violer. Une autre, elle s'appelle Yuri. Une autre aussi qui s'appelle Yondu, la fameuse qui se faisait violer aux toilettes, va lui raconter en langue des signes comment les violences se font, ce qu'elle a vécu, ce que Yuri a vécu, ce que également le grand frère de celui qui s'est suicidé et celui qui s'est suicidé ont vécu par un homme de cet établissement. Heureusement, Ino parle un peu la langue des signes et surtout il va faire appel à un interprète où ils vont en fait filmer les enfants qui y témoignent. Et l'interprète va être au bout de sa vie, il va se dire mais qu'est-ce que je suis en train d'interpréter, qu'est-ce que j'entends quoi. Et en fait Ino va se faire aider par une autre femme qui était amie avec lui lorsqu'ils étaient plus jeunes, et cette femme qui s'appelle Eugene va être aussi très affectée psychologiquement, et ils vont vouloir en fait intenter un procès à l'institut et surtout faire en sorte que toute la Corée sache ce qu'il se trame ici. Du coup ils vont envoyer ces interviews à des médias séoulites. Pour que ça se sache, il va effectivement y avoir un procès très compliqué où les jeunes vont devoir témoigner, donc en langue des signes avec un interprète. Et c'est là qu'on se rend compte de la violence du système et à quel point les handicapés très clairement sont mis de côté en Corée. Il y a parce que au début le juge refusait qu'il y ait un interprète et refusait que les sourds soient inclus dans ce procès alors que c'est eux les victimes. Enfin c'est quand même un truc de fou. Bref, il y a plein d'aberrations tout le long de ce roman qui prend aux tripes. Franchement, j'ai pleuré. C'est vraiment dur. Et surtout, savoir que c'est une histoire vraie, c'est d'autant plus tragique de se dire que ces pauvres enfants ont été utilisés de la sorte. Bref. Et en fait, l'accusation va aller jusqu'à payer les parents de ces victimes pour clore le procès, enfin pour faire en sorte qu'il n'y a pas plus loin dans les accusations. Et il profite en fait du fait que les parents sont soit retardés également psychologiquement, soit pauvres. Voilà, on adore la loi du plus fort, la loi ce qui prime dans le monde entier. Donc c'est un roman qui vous déprime terriblement. C'est un roman tout de même très intéressant que je vous conseille vivement de lire, c'est pour ça que j'en ai parlé un moment. Et qui a permis, comme je vous l'ai dit, des avancées au niveau de la protection des handicapés en Corée, et heureusement, et ça a donné même un film. Donc voilà, c'est très bien qu'un roman ou qu'un drama, qu'une histoire vraie fasse comme ça scandale en Corée pour que ça change les choses. Ça a été le cas également du drama The Glory, qui était en fait sur le harcèlement qu'a vécu une jeune fille. Et c'est une histoire vraie, voilà. Et il y a des scènes absolument horribles où elle se fait brûler au fer à repasser, elle se fait violer par un gars, enfin bref, c'est atroce. Mais voilà, c'est la vérité. Franchement, j'en ai pris plein la gueule, mais c'était intéressant si on peut dire. Du coup, j'ai enchaîné avec ce roman-ci, complètement rien à voir, La Brocante, il y a Nakano de Yakawa et Kami Hiromi, roman japonais que je souhaitais lire depuis hyper longtemps, qui est sorti franchement depuis longtemps. Il est sorti en 2009,
en français et en poche book comme ça. Donc ça fait longtemps, il y a dans la liste des romans japonais que je souhaitais lire, et donc j'ai bien fait de l'intercepter avant qu'il reparte, parce que ça se trouve je ne l'aurai plus jamais retrouvé à la librairie pour l'emprunter. Bref, du coup c'est un roman dans lequel il n'y a pas grand chose, il y a simplement une ambiance, des sentiments, c'est beau, ça fait du bien, c'est un roman assez lent, ça change complètement de celui-ci où il se passait beaucoup de choses et tragiques. On suit du coup, comment elle s'appelle, Hitomi, qui travaille dans une brocante, d'où le titre du livre. Une brocante à Tokyo, elle travaille avec il y a Nakano, le propriétaire, et il y a Takeo, un autre employé qui lui s'occupe plutôt des enlèvements, donc ça veut dire aller récupérer les marchandises chez les clients qu'ils souhaitent revendre à la brocante. Monsieur Nakano est un homme assez, assez différent des Japonais, je trouve. Voilà, Hitomi vit sa petite vie, les jours s'enchaînent, elle aide au magasin, elle voit les clients défiler, elle suit un petit peu les arrivages, elle commence à développer des sentiments pour son collègue, Takeo, qui est un petit peu handicapé de l'amour et des sentiments, il a énormément de mal à faire part de ce qu'il ressent, bien qu'ils s'embrassent et bien qu'ils aient dates ensemble, qu'ils fassent des activités ensemble. Mais voilà, Hitomi continue de développer des sentiments pour Takeo, qui lui au contraire est beaucoup plus sur la réserve. Donc c'est un petit peu à sens unique, elle est très frustrée. Écoutez, voilà, il se passe pas grand chose dans ce roman. On suit aussi la sœur de Monsieur Nakano, Masayo, qui vient régulièrement à la brocante. Et ce qui est original avec elle, elle casse pas mal les clichés japonais. C'est qu'elle est en couple avec un homme, mais sans vivre avec lui et sans être mariée. Ils vivent séparément, mais ils sont ensemble. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bien qu'il y ait au moins une figure de personnage un peu différente. Hitomi est assez dans la norme, je trouve. Elle se contente de son travail, ça lui va. Elle est frustrée comme et pas mal de Japonais, j'ai l'impression. Takeo, un peu allergique à l'amour. Et très introvertie, un peu comme beaucoup de Japonais aussi, enfin de ceux qu'on entend dans les médias et des situations qu'on peut voir. Voilà, un roman sympa, juste des beaux sentiments, c'est bien écrit. C'est le développement des sentiments de Hitomi, c'est ce qu'elle pense. Encore une fois, c'est pas un roman dans lequel il se passe mille et une choses, mais c'était juste joli à lire. Voilà, ça n'est pas mon roman japonais préféré que j'ai lu, mais c'était quand même un bon roman, donc voilà. Voilà, c'en est tout pour cette assez courte vidéo de deux romans asiatiques que j'ai lus récemment, un coréen difficile et un japonais plutôt facile et sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu, franchement je peux vous les recommander. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais un 8 et un... Ah non, j'ai pas dans le bon sens. Un 8 et un 6, je pense, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre. Bye!